Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette émission quotidienne, dans cette séquence où à tour de rôle, un membre différent du groupe Jésus est mon guide se donne un cœur joie de vous faire la lecture et le psaume du jour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, cela fait 2 ans, jour pour jour, que le groupe Jésus est mon guide a été créé. Merci encore à Marcel qui nous a donné l'opportunité de participer à son émission du partage de la parole. Avec la complicité de l'animatrice Mazam et bien sûr avec l'accord du frère Jean-Denis, responsable de la radio Arc-en-Ciel. Pour l'occasion, cette séquence sera partagée par les premiers membres du groupe. Pour le chant à l'Esprit-Saint, on retrouvera Christophe, Maria et Morissette. Pour la lecture, l'animatrice Mazam, Maria et Morissette. Pour le commentaire, j'ai choisi Monsieur Marcel qui excelle formidablement bien dans ce domaine. Pour le psaume, je me joindrai avec Maria et Marcel. Dany s'occupera de clôturer la séquence. Aujourd'hui, nous disons bonne fête prudence et bon anniversaire si vous êtes né un 6 mai. Dans la lecture d'aujourd'hui, dans les actes des apôtres que vous allez entendre dans un instant, il est écrit « Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations ». Cela ne peut que mieux tomber aujourd'hui pour les 2 ans du groupe Jésus mon guide, qui n'a cessé de proclamer la parole de Dieu à travers les ondes de la radio Arc-en-Ciel et sur les réseaux sociaux. Ce petit groupe qui grandit au fil du temps n'est que l'instrument à travers lequel l'Esprit de Dieu nous pousse vers l'avant et nous guide sur les sentiers de l'amitié, de l'amour du Christ, du partage, de la compassion et de la méditation de l'Évangile. Puis le psaume nous chantera la mission de chacun d'entre nous et de chacun du membre du groupe Jésus mon guide. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada.
plaisir de vous retrouver avec YouTube, puisque nous sommes en vision, voilà, on nous voit, on entend nos voix, mais on nous voit par la même occasion avec Morissette, Maria, pour vous partager en ce jour d'anniversaire du groupe Jésus et mon guide, et on a le plaisir de vous partager le livre des Actes des Apôtres. Lecture de ce jour, le chapitre 9, versets 1 à 20. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les emmène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approché de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés. Muets de stupeur, il entendait la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Anani !» Il répondit « Me voici !» Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse, nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » Anani répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part de ses grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tout ce qui invoque ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples. Et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier,
proclamer l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Bonjour chers amis, comment il est? Ben oui, aujourd'hui on s'y met. Bon anniversaire à toute l'équipe, bon anniversaire à vous aussi, fidèles auditrices et auditeurs sur radio, sur Facebook et sur YouTube. Merci, parce que c'est grâce à votre encouragement que nous essayons de tenir le coup tant bien que mal. Merci encore pour tous les gestes de témoignage. Et puis, il m'a compris qu'il y en a des certains, encourage le groupe Jésus et mon guide avec des petits dons financiers. Ben, il n'y intéresse pas d'autres. Donc, vous mettez mon prénom et mon nom dessus, vous êtes bon chèque. Pas besoin de mettre le montant. Fatigue pas d'autres, même à mettre le montant. Voilà, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, nous voit que Saul, il cherche qui s'attelait le Dieu. Enfin, en fin de compte, là, nous pouvons aller comme un persécuteur, mais finalement, le Dieu que Jésus te représente, te convient pas lui. Donc, il te énerve, il te tue, il te emprisonne. Des fois, dans notre attitude de chaque jour, quotidiennement, quand nous ne comprenons pas une affaire, ben nous énerve. Mais, regarde ça, quelle est. T'es cause une assise assiette là, regarde ça comme les vilains. Aïe 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 aïe, moi-même pas ça, moi. Mais quand on commence à goûter, finalement là, le pot-au-feu là, il est peut-être un aspect pas trop agréable, mais oh là là, le goût, mon Dieu, mon man, donne-moi la recette, mais ça fait ça la case. Alors, vous êtes connaissez toi la recette, ça fait la case. Vous donne la recette même, vous prenez un petit bout de papier. Papier là, il rentre dans une poche à qui? Dans le pantalon jean. Et il reste dedans, jusqu'à temps que. Et t'es mal oublié. Voilà, oublier le papier dans le poche pantalon, la rentre dans la machine, mais il n'y aura plus faire. Même ça paraît de mon avis. Hein? Donc voilà. Donc, Saul, comme il ne connaît pas Jésus, il n'a pas approfondi la connaissance de Jésus parce qu'il voit un Dieu qui demande des sacrifices, un Dieu qui fait des cultes au temple, un Dieu qui fait les fêtes et les fêtes et les fêtes. Un Dieu qui demande les gens de faire des efforts dans le matériel, dans l'argent. Mais là, il est devant un Dieu qui demande à nous que l'amour. Que l'amour. Justement, et à l'instant où Paul, il tombe de son cheval, et remarquez, en plein midi, il trouve un soleil, une lumière plus fort que le soleil. En plein midi, hein, c'est là où le moment ça il brille le plus. Mais Jésus manifeste à lui dans un truc plus loin encore que notre pensée, plus brillante encore. Et que ça, Jésus, il dit à lui. Voilà. Jésus, il pose pas lui la question. Paul, change de cœur. Paul, garde que cela pour faire. Non, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me, à moi, persécutes-tu? Et c'est là la révélation. Parce que jusqu'à là, Paul, là, il te considère un Dieu comme un Dieu extérieur à l'homme. Donc, il peut tuer l'homme sans atteindre Dieu. Et peut-être qu'on est des fois dans des religions, quand il tue l'homme, les fidèles de ces religions-là, ils pensent que nous fait plaisir à Dieu. Mais là, Paul va comprendre que le Seigneur, il vit en l'homme. Et qu'en faisant du mal à l'homme, c'est Dieu même qu'il y atteint. Chers amis, si nous regardons cette lecture sous cet angle-là, comment parler d'amour, comme la femme avait chanté, s'est retrouvée, comment parler d'amour sur YouTube, comment parler d'amour aux êtres que les blessés mal à parler. Le Père Jean-Marie l'a parlé de prostituée, l'enfant abusé, le mari abandonné, les couples divisés, le gars il est dans addictionné.
Mais à chacun à l'intérieur de nous, Nena, un Dieu. Nous ne pouvons pas faire du mal à quelqu'un sans offenser Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour jusqu'à la fin des temps, là, nous connaissons que Paul n'est pas dans la défense d'une idéologie, mais il est rentré dans une vraie relation à Dieu. Et ainsi, quand on apprend, on révèle, on laisse on révéler, ben on change totalement, intérieurement. Et Dieu l'a pas condamné, hein. Dieu l'a pas dit, ouais, attention, hein, mis ça tue de famille, mis ça mettre la maladie sur. Non, mais Dieu l'a converti à lui. Dans quel domaine Dieu l'a converti à lui? Dans l'amour. Et ce changement-là va marquer aussi le changement du nom de Saul qui devient Paul. Paul l'a changé. Mais quand on change des fois, quand on change d'attitude, quand on fait la rencontre avec le Seigneur, là, les regards des autres autour d'où là, ben, ils changent pas autres. Ben, nous restons toujours pareil, nous restons toujours le clodo, nous restons toujours le gars qui tape son front, nous restons toujours, et c'est t'es écrit un état, t'es bon un état. Mais nous l'a changé. Voilà. Et il faut que Dieu y insiste pour que Anani, tu vois, Anani, il savait à Paul, parce que Anani a perdu de nom, ça mieux que ça fait ça. Et Dieu y insiste pour que Anani, il baptise Ali, pour que Paul, il peut recommence à vivre une nouvelle vie, hein, Dani, hein, Catherine? La vie nouvelle, la nouvelle vie. Et dans ce retournement-là, ben, pour moi, personnellement, à moi, Marcel, moi, je trouve que Paul, c'est le plus grand missionnaire que nous connaissons. Et aujourd'hui, chers amis chrétiens, chrétiennes, ou bien cette écoute-là d'une autre confession, d'une autre religion, nous doit apprendre à voir le visage de Dieu dans tout homme, dans toute femme, dans tout enfant, dans toute petite fille, dans tout petit garçon, dans tout bébé. Et nous n'avons pas là pour déchirer la conscience, déchirer l'amour, chiffonner les personnes en foutant là-bas, et quand va plaire, va donner des lait, là, la pointe, donne pas rien. Et nous doit aussi, peut-être, hein, comme il dit doigt là, et Spédi, c'est pas doigt, m'y battre le poing sur la table, c'est des suggestions, hein. Bon, voilà, on s'est compris. Puissons-nous apprendre avec humilité à ne pas défendre notre idéologie religieuse. Parce que des fois, nous tapons sur la porte, nous tapons sur la table, la porte aussi, nous tapons sur la porte pour sortir, hein, parce que nous gagnons plus. Donc, n'est pas notre religion, en fait, qui doit primer, mais c'est qui doit primer dans notre attitude, dans nos paroles, c'est l'amour de Dieu. Et puis aussi, cette lecture, il pousse à nous à accueillir toute femme et tout homme que nous l'a connu avant et que nous l'a connu après, que la traverse par la porte, justement, la porte de la conversion. Et du coup, notre attitude, c'est de ne pas rabâcher son passé. Oui, regarde comment on est, avant t'es comme ça, regarde comment t'es, avant t'es traîne, ou la partie avec 5-6 boucs, avant t'es comme ça, ou t'es crié avec moins, ou rappelle que ça, ou la ferme, ou rappelle la parole, ou la dire moi le 27 mai, hein, le 27 mai 2018, ça n'oubliera pas ça. Mais non, finis ça, nous l'a changé, nous change, Saul, il devient Paul, et à nous, quand nous prenons conscience de la transformation que Dieu nous fait chaque jour, ben, nous vivons avec chacun et chacune de nous comme des frères en Jésus. Et bientôt, ça fait une réforme. Monsieur, moi, à moi, ça fait une réforme. Il dira, puis je crois en Dieu qui nous a créés. Mais ça dit, je crois en Dieu qui nous crée chaque jour vers un monde meilleur. Voilà, mes chers amis, merci d'avoir écouté à moi. Et puis, nous laisse à nous encore emporter par ce joyeux anniversaire. Et à chaque fois, on a le 6 mai. Là, tu penses, t'es, voilà, aujourd'hui, on 6 mai, hein. Et nous pensons à l'anniversaire du groupe Jésus et mon guide. Et le groupe Jésus et mon guide, chers amis, il est encore ouvert. Si vous voulez faire une lecture, si vous voulez faire un psaume, si vous voulez faire une prière, eh bien, n'hésite pas à contacter à nous. Dessous le mail, hein, tu vois, le YouTube là, n'est à la place, écrit commentaire là. Voilà, ou dit moi, un tel, je suis
partante ou partant de lire la parole, de faire une lecture, de voilà ce que vous voulez. Et puis vous avez les coordonnées tout et nous va contacter les autres. D'accord? Les bons, mais laisse la place aux autres. Allez, mais ça va, les bons, mais ça va. Bonjour, amis auditeurs. La séquence arrive à sa fin. Alors, je tiens à remercier toutes les membres qui ont participé à cette séquence. Merci vraiment du fond du cœur à vous tous. Et j'oublie pas tous les autres membres qui n'ont pas pu participer à cette séquence. Et je suis sûre que vous êtes profondément avec nous dans cette séquence. Et on est avec vous également et on vous dit merci, merci à vous tous hein, qui partagent tous les jours la parole de Dieu et la parole, vraiment cette parole d'amour, cette parole qui nous fait avancer, qui est sur notre chemin de sainteté, les amis. Alors sans la parole de Dieu, comment avancer? Comment avancer? Mais également, je tiens à remercier tous les fidèles de la radio, toutes les personnes qui sont sur YouTube, sur Facebook et tous ceux qui se trouvent en métropole et ailleurs, qui nous écoutent. Et vraiment, je vous dis merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous permettre de diffuser cette émission sur Radio Arc-en-Ciel. Et vraiment, du fond du cœur, merci à vous. Et vraiment, je souhaite à tous les membres du groupe Jésus et mon guide un bon anniversaire et vraiment une bonne continuation à vous. Tiens beau, lâche pas, car on est tous ensemble. Et merci, merci. Vraiment, merci. Je tenais à vous lire juste un petit, vraiment quelques phrases dans cette belle Bible et qui nous dit « Heureux qui consacre son temps et acquiert la sagesse en la plaçant sur son cœur et s'il la met en pratique, il sera fort en toutes circonstances car la lumière du Seigneur et son sentier. » Alors n'hésitons pas à le prendre, à le lire, car c'est lui la lumière, c'est lui notre sentier, c'est lui qui nous aide à avancer sur notre chemin de sainteté. Je vous souhaite à tous une belle et agréable journée et une très bonne continuation d'équipe. Et on vous aime de tout notre cœur. Merci à vous tous. Je vous laisse avec une chanson exclusivement réservée en cette belle occasion. Au revoir les amis. Très bientôt. C'était Dani. Sur moi, malgré ma petitesse, m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célèbre son fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célèbre son nom. Pour moi il a fait des merveilles, et pour nous il fera de même. Déployant son bras tout puissant, il disperse les riches. Aux pauvres, il donne à pleine main à tous ceux qui le cherchent. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez son fin. Pour moi, il a fait des merveilles.
âmes. Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sang. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sang. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même.